Ouais, on a tous plus de 1000 sauts et vraiment on est amoureux de la montagne, on est là parce qu'on aime. On n'est pas là pour se donner un shot d'adrénaline et se faire peur, quoi. C'est vraiment du pur plaisir. Si on vole sur Alpiglen, on a plus de hauteur, on sera au soleil. Ouais, on sera au soleil. Si on part sur la gauche, on sera dans l'ombre, c'est un peu dommage. Et puis on se pose en bas, quoi. Alpiglen, on se pose en bas. Les chalets, là. Ça peut être cool, hein. Bon. Au vol, long vol. Ouais. Et puis aussi pour moi, c'est moins difficile, je pense. Quoi. Sounds like a plan. Ok, allez-y. Ouais, j'ai plus de place. 3, 2, 1, base! Les voici libres comme l'air, glissant dans le ciel à près de 200 km/h, à l'écoute de leur corps et surtout du vent. On l'entend vraiment siffler dans les oreilles et c'est ce qui nous donne aussi des indications par rapport à l'angle de vol, si on a le bon angle de vol. Suivant comment ça siffle, on se dit « Ah, on n'est pas, on vole pas assez dans l'angle » ou on est trop à plat et du coup on va tomber trop vertical. Donc c'est tout, c'est super important d'écouter, ouais. Pour moi, les belles choses se trouvent en montagne et je sais que quand je rentre d'une journée là-haut, eh ben, j'ai le sourire jusqu'aux oreilles et c'est ce qui me rend heureuse, c'est comme ça que je veux vivre.